mets pas trop de confiture sur ta tartine, petit gueux, sinon tu ne devras pas goûter le bon goût du pain. Bah justement, moi je préfère goûter le bon goût de la confiture. Ah, écoute Eric, laisse ce petit tranquille. S'il préfère la confiture, c'est son problème quand même. Mais tout de même, il faut penser à sa santé. Salut les copains. Oh, oh là là. Quand Framboisier arrive bichonné comme ça, c'est qu'il a rendez-vous avec une fille. Ah, vous prenez les paris? Oh, oui. Perdu. Pas avec une fille, mais avec deux filles. Et tu vas encore rentrer épuisé ce soir. Épuisé mais content, mon Minet. Vous pouvez pas savoir comme elles sont mignonnes. Vous pouvez pas vous tenir un peu, non? Il y a le petit qui écoute. Hein. T'en fais pas, papa Eric. J'ai l'habitude maintenant. C'est papa Framboisier. T'as de la chance d'avoir plein de copines pour t'amuser. Mais qu'est-ce que t'as, petit Gus? T'as l'air tout triste. Oh, moi, rien. Moi, je sais ce que je vais faire de ma journée. Ou bien je vais m'ennuyer, comme d'habitude. Ou bien je vais faire des bêtises. Je sais pas encore. Bon, eh bien, les copains, on ne va pas trop traîner à table, hein, parce que si on est tous pressés... Hein, ah bon, oh là là, mais dis donc, t'as raison, Eric, il n'y a pas une minute à perdre, là. Hein. Allez, faut y aller. Une douche, et c'est parti pour la journée. T'as raison, René. Allez, moi, j'ai encore un peu de temps, parce que j'ai rendez-vous avec Valériane que dans une heure, alors ça va. Qu'est-ce que vous avez à faire des signes comme ça? Je croyais que vous étiez pressé. Je te dis que tu es pressé. Tu sais bien que Valériane a horreur d'attendre. Tu sais bien. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on... t'es pressé. Allez. Tu peux m'expliquer? Chut, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Chut. Je m'ennuie. Pauvre gosse. Ça me fale le cœur de le voir comme ça. Si triste. Les copains, ça ne peut plus durer comme ça. Ah, toi aussi, tu as remarqué. Mais quoi? Mais enfin, ça saute aux yeux. C'est évident. Mais, oui. Mais quoi, enfin? Mais Gus, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a, notre petit Gus? Il est pas bien avec nous? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on n'est pas avec lui. Voilà, exactement. Quand nous ne sommes pas là, eh bien, ce petit, il s'ennuie. Voilà. Non. Tu crois? Tiens. Je ne crois pas, Minet, j'en suis certain. À son âge, un petit garçon a besoin de copains. Et de copines. Génial, ça a marché. Et le seul endroit où il y a des copains... et des copines... c'est l'école. J'ai gagné, j'ai gagné. Gus à l'école. Mais vous voulez rire, les copains? Mais pas du tout, pas du tout. René a tout à fait raison. Ce qu'il faut, c'est trouver vite une école pour inscrire le petit Gus. Mais vous savez bien que Gus a déjà assimilé toutes les connaissances de l'être humain. Hein, et que la seule école possible pour lui... allez, l'école polytechnique, et encore. Mais il est beaucoup trop jeune, en fait. Mais surtout, il est beaucoup trop fort. Ne compliquez pas tout, les copains. Ce qu'il faut à notre petit Gus, c'est pas une école pour apprendre, c'est une école pour jouer. Dans ce cas-là, n'importe quelle école fera l'affaire. Tiens, celle du quartier, par exemple. Ouais, très bien, mais il y a quand même un petit problème. Est-ce que Gus va accepter? Ouh là 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 là. Ça va être terrible. Moi, je me souviens, la première fois où mes parents ont voulu m'emmener à l'école, eh ben, je m'étais attaché au pied de la table de la cuisine. Il n'y a plus qu'une chose à faire, alors. Utilisons la diplomatie. Vous êtes prêts? Oui. On y va? D'accord. Allez, allez, d'accord. Qu'est-ce que je peux m'ennuyer? Ah, tiens, les papas. Je crois que vous aviez une journée d'enfer. Oui, mais... genre, justement... Eh bien, voilà, petit... Nous sommes dit que ça n'est pas normal que notre petit Gus ne voit pas à quoi ressemblent les autres petits-enfants. Voilà. Alors, nous avons pensé... Mais si tu ne veux pas, tant pis, on oublie. Vous avez pensé quoi? Eh bien, nous avons pensé que ce serait bien si tu allais à l'école. Juste quelques jours, pour oui, information. Oui. Ah oui? Bah oui. Ça vous ferait vraiment un plaisir? Oui, oui. Bon, bah, eh bien, je suis d'accord. On commence quand? Oh mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas urgence, dans deux ou trois jours. Oui, hein? Ou dans deux ou trois semaines, hein, tu sais. Pourquoi pas maintenant? Maintenant, tu veux dire tout de suite, là? Écoutez, les papas,
Je veux bien que votre perception du temps soit primitive, mais dans le langage humain, maintenant, ça veut dire tout de suite. Alors, c'est d'accord, je vais prévenir ma mère. Oh, ça s'est bien passé. On a eu chaud. Oh, Miliou. Youpi. Pour ce matin, c'est moi qui conduis Gus à l'école. Mais pour ce soir, il faudra vous débrouiller entre vous pour aller le chercher. Pauvre pitchounette. Mais ne fais pas cette tête-là, ça n'est pas si terrible que ça à l'école. Regarde, je t'ai acheté ce beau cartable. Oh, merci, papa Eric. Et t'auras plein de petits camarades, hein? Tiens, je t'ai acheté une jolie trousse. Merci, papa René. Et surtout, plein de petites camarades, ce qui est encore mieux. Tiens, regarde ces cahiers. C'est pour toi. Merci, papa Framboisier. Et tu pourras également savoir comment les humains sont élevés et le niveau de leur quotient intellectuel. Alors là-dedans, tu as tout ce qu'il faut. Le crayon, la gomme, le taille crayon et le compas. Tu verras, c'est super. Merci, papa Rémi. Ça, c'est une pomme que tu donneras à ta maîtresse, oui. Il faut toujours se mettre bien avec sa maîtresse le premier jour. Merci, papa Rémi. Justement, à ce sujet-là, regarde-moi, Gus. Hugo, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh bien, j'ai déconnecté tous ses pouvoirs. C'est plus prudent pour l'école. Ah, hein. Oui, oui. Oh, alors, c'est pas drôle. Ce n'est peut-être pas drôle, mais je n'ai pas du tout envie d'avoir à reconstruire toute une école entière. D'accord, oui, maintenant, tu viens. Sinon, tu vas être en retard pour ta première journée de classe. Et tu seras sage, hein, promis. Et tu ne vas pas organiser une mêlée de rugby au milieu de la cour. Et tu ne feras pas non plus d'expérience de physique explosive. Et tu ne tireras pas les cheveux des petites filles. Bon, ok, les papas, c'est promis. Ah. Ah. Super. Au revoir, les papas. Au revoir, petit Gus. Au revoir, journée, petit Gus. À tout à l'heure. Igulus. Igulus. Gus n'est pas rentré de l'école, Ilgugu. Mais comment ça, pas encore rentré de l'école? Mais qui devait aller le chercher? C'est Minet. Non, c'est René, Eric, c'est René. Quoi? Mais ça, alors, c'est la meilleure. C'est Rémi qui s'est proposé. Non, René, tu rêves, on n'a rien décidé du tout. Nous étions en train de décider qui de nous irait chercher Gus à l'école. Quand ces 5 ans, 8 ans de jeunes filles ont décidé de nous rendre visite. Et vous avez complètement oublié votre fils. Ça vous apprendra. Vous, alors, les musclés, dès qu'une jolie fille passe, vous oubliez tout. Oh non, Ilgugu, pourquoi vous dites ça? Mais écoutez, elles étaient simplement 5 filles et nous, on est 5 garçons. Oui, c'est vrai, et pour une fois qu'elles étaient toutes aussi jolies. Les musclés, je ne suis pas contente du tout. Oh, mais Ilgugu, faut pas nous en vouloir. On ne l'a pas fait exprès, c'est un concours de circonstances. Ouais, voilà. Imaginez un peu, d'un côté, les filles, de l'autre côté, les musclés. Que si vous voulez qu'il se passe. Et puis, de toute façon, on avait encore le temps pour aller chercher petit Gus, parce que regardez, 5 minutes encore. Hein? Et si je n'étais pas arrivée? Mais on y pensait, Gugu, on y pensait. Les copains, j'ai une idée. Et si on allait tous ensemble chercher Gus à l'école? C'est ça, c'est ça. Et si vous rencontrez à nouveau 5 filles superbes? Où ça? Nulle part, Framboisier, c'est une supposition. Donc je disais, si vous rencontrez à nouveau une jolie fille... Où ça? Je sais qu'Igulus passera la nuit dehors sur le trottoir devant l'école. Donc, exceptionnellement, je vais vous télétransporter tous ensemble là où vous devriez être depuis une demi-heure. Et vous revenez à pied avec Igulus sans perdre une minute. C'est d'accord? C'est d'accord. Bon, eh bien voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, je vais lui préparer son goûter. Il doit avoir une faim, mon pauvre petit garçon, après sa première journée d'école. Bon, le chocolat. Le chocolat, où est le chocolat? Mais où est le chocolat? J'ai parié que c'est Minet qui l'a encore terminé. Mais
ce n'est pas un enfant que j'ai, c'est 6. Hugo, je suis rentrée. Mais déjà, ce n'est pas possible. Oh, Igelus, mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu un accident? Mais parle-moi. Excusez-moi, madame. Bonsoir, madame. Vous êtes la maman de Gus? Oui, oui, c'est ça. Je me présente, Marianne Dugafio, je suis la directrice de l'école. Bon, Gus, maintenant, tu vas nous laisser seul. Je désirerais parler avec ta maman. Bien, madame. J'ai préparé ton goûter. Vas-y, tu peux y aller. Oui, maman. Puis-je m'asseoir? Oui, oui, bien sûr, je vous en prie. C'est étonnant. Quoi donc? Je vous imaginais pas du tout comme ça. La maison non plus, d'ailleurs. Mais c'est très important de connaître le cadre de vie d'un enfant difficile. Igelus? Un enfant difficile? Ça y est, je le savais. Elle va tout cafeter, celle-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Rien. Presque rien. Il a transformé la cour de récréation en terrain de rugby. Et par la même occasion, a brisé toutes les vitres de l'établissement en criant « Vas-y, Bianco !» Ça y est, je savais. Je savais qu'elle n'avait pas une tête à aimer le sport. Il s'est battu avec tous ses camarades, des plus petits aux plus grands. Bah oui, il disait que j'étais un menteur quand je leur ai dit que l'équation E égale MC2, c'était drôlement facile. Et enfin, il a tiré sur les cheveux de toutes les filles qui lui disaient que ce n'était pas vrai que son papa était framboisier. Eh ben j'ai bien fait, d'abord c'est bête les filles. Oh, Gus! Et en plus, toi écoute aux portes, tu devais avoir honte. Tu descends immédiatement de cette chaise et tu montes dans ta chambre et on reparle de ça tout à l'heure. Excusez-moi, mademoiselle, je reviens tout de suite. Et puis, c'est pas beau de cafeter. Oh, il y a ça, alors. La collection complète des revues sur les techniques de séduction. Des bandes dessinées. Ah, un atlas. Atlas mondial et tableau comparatif des densités de filles jolies au mètre carré dans l'hémisphère nord. Évidemment, ça explique tout. Ce n'est pas à la mère qu'il faut que je parle, c'est au père. Ilkege ! Ilkege ! Ah, bonjour mademoiselle. Je suis désolé, mais Framboisier n'est pas là. Alors, si vous pouviez repasser un petit peu plus tard, ce serait super sympa. Monsieur... Écoutez, mademoiselle, vous êtes charmante, hein, c'est vrai, mais c'est un très mauvais moment, là. Mon fils Gus a disparu, mais... alors, je vous en prie. Bon, au revoir, mademoiselle, merci, au revoir. Igege, Igege. Eh bien, René, qu'est-ce qui se passe? Igege, c'est terrible. Il y a eu un accident? Non, enfin si, si, non, non, en fait, je ne sais plus, je ne sais plus, voilà, mais... Asseyez-vous d'abord. Tiens, où est passée mademoiselle Dugafio? Igege, c'est terrible. Gus a disparu. Mais non, il est... Mais si, quand nous sommes arrivés devant la porte de l'école, il n'y avait plus personne. Mais René, puisque... Oh non, Igege, ne nous accablez pas. C'est vrai, nous avons oublié d'aller chercher Petit Gus à l'école. C'est de notre faute. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'important maintenant, c'est de le retrouver. Framboisier fait toutes les salles de cinéma. Hein. Rémi fouille le planétarium. Minet interroge toutes ses petites camarades. Et Eric retourne tous les parcs d'attractions. Et nous avons rendez-vous ici dans 5 minutes. Mais René... Oh, c'est terrible, c'est terrible. Mais ce pauvre petit qui n'a plus ses pouvoirs, hein? Oh, je l'imagine, errant tout seul dans ce monde hostile, sans pouvoir se défendre. Gus, Gus! Attention aux voitures! Gus, Gus! Non, non, arrête de grimper aux arbres! Gus, Gus! Pas de glace à la vanille! Non, Gus! Plus de mousse au chocolat! Ah, c'est toi, papa René? Bah, mais pourquoi tu cries comme ça? Gus, mais qu'est-ce que tu fais là? Gus, retourne dans ta chambre. Oh non, alors la maîtresse, la maman. Heureusement que j'ai mes 5 papas pour m'amuser un peu. Mais comment est-ce qu'il est arrivé? C'est mademoiselle Dugafio, la directrice de l'école, qui l'a ramené à la maison. Ouais, et même que c'est rien qu'une cafeteuse, alors... Mais Gus! Oh là là, mais il est insupportable aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, mademoiselle Dugafio, eh bien, elle était là encore il y a 1 minute. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Cette mademoiselle Dugafio, c'est pas cette ravissante jeune fille avec 2 grands yeux verts qui était là il y a quelques minutes? Si, pourquoi? Vous l'avez vue? Mais
Entrez donc, jolie demoiselle. Il ne faut pas rester dehors. Surtout par ici, vous pouvez faire de très mauvaises rencontres. Monsieur, je... Mais attendez, attendez. Je parie que vous êtes venu voir Framboisier. Vous avez gagné. Framboisier. Eh oui, elle a raison. Framboisier, en chair et en os. Et mon cœur est à vos pieds. Framboisier, c'est la maîtresse de Gus. La... la maîtresse de Gus. Oui. Et je suis venue pour parler à son père. Son père? Vous avez encore gagné? C'est moi. Mais asseyez-vous dans un instant. Attendez. Vous êtes son père? Mais monsieur m'a dit que... Ah! Gus! Ah, j'allais l'oublier! Ah, René, il gueule que vous êtes là! Eh ben, j'ai cherché partout. Mon fils, je l'ai pas trouvé. Il est perdu tout seul dans la grande ville. Eh bien, Framboisier, Gus est dans sa chambre. Il va très bien, mais il est puni. Gus dans sa chambre? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tout fait. Tout ce que vous lui avez interdit, c'est tout. Oh non, mais enfin bon, là, il gueule, vous exagérez toujours. Ah, il a fait deux ou trois bêtises, c'est tout. Je le connais, enfin, c'est mon fils. Votre fils? Parfaitement, mon fils. Madame, il gueule, j'aimerais savoir pourquoi ce monsieur qui m'a jeté à la porte, entre parenthèses, se déclare lui aussi le père de Igulus. Ça y est, ça recommence cette histoire de papa. Il gueule, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je commets sa mémoire. Écoutez, les musclés, pour l'école, Igulus n'a qu'un papa, c'est compris? C'est compris, c'est moi. Ah non, c'est moi. René, Framboisier, puisque c'est comme ça, je nomme Minet le papa d'Igulus, voilà. Oh non. De toute façon, c'est trop tard. Je l'ai inscrit dans la mémoire vivante de mademoiselle Dugafio. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu comme un passage à vide. Les gogues, les copains, c'est affreux. Gus a disparu. Mais non, Harry. Mais si, Gus, je vous jure qu'on a cherché partout. Mais c'est normal, il... Personne ne sait où il est. Moi, j'ai interrogé toutes les petites filles. Mais tout va bien, les musclés. Gus est dans sa chambre. Oh. Je suis la directrice de l'école de Gus. Et vous, bien sûr, vous êtes le papa de Gus, je suppose. Oui. Et pourquoi lui? On t'expliquera. Mademoiselle Dugafio, vous désirez peut-être une tasse de thé? Non, merci. En revanche, j'aurais besoin de parler au papa de Gus, seul à seul. Ah, vraiment seul à seul? Vraiment seul à seul. Non, mais si vous avez besoin de nous, vous nous appelez, hein? Bon, bah... Vous nous appelez. Cher monsieur, je pense qu'il est urgent que vous preniez des mesures afin d'assurer un meilleur équilibre à votre enfant. Vous avez raison, mademoiselle. Mais que faites-vous? Vous a-t-on déjà dit que vous avez un charme à faire revenir tous les hommes de la Terre sur les bancs de l'école, vous? Je vois que vous êtes un grand poète comme Gus, votre fils. Mais pas du tout, chère demoiselle. Je ne suis qu'un cœur séduit par votre grâce, qu'il vous est aisé de cueillir. Eh bien, cueillez ceci d'abord. Je comprends tout maintenant. L'agressivité, le désordre psychologique de ce pauvre enfant. Quand on voit l'exemple qu'il a sous les yeux, vous êtes une honte, monsieur. Adieu. Oh, elle. Et en plus, elle baffe moins bien que Valériane. Les copains, je crois que Ilgue n'est pas très contente. Ah, c'est comme ça que tu appelles à la façon dont elle nous a parlé hier? Souvenez-vous, les copains. Elle a dit, puisque vous ne savez faire que des bêtises, eh bien, vous vous débrouillerez tout seul avec l'éducation de Gus. Je me souviens pas de m'être fait attraper comme ça depuis l'école. Elle était en colère contre nous, d'accord. Mais partir comme ça, en claquant la porte, là, non. En nous laissant petit Gus sous les bras, hein? Le pauvre, pourvu qu'il ne soit pas traumatisé. Lâchement abandonné par sa mère. Les copains, puisque notre fils n'a plus que nous, je vous propose que nous nous occupions nous-mêmes de son éducation. Moi, je vais lui apprendre la cuisine, tiens. Mon Minet, est-ce que tu connais la différence entre un pot de fleurs et une casserole? Non, c'est quoi? Bon, mais c'est bien ce que je disais, quoi. C'est moi qui lui enseignerai la cuisine. Moi, je lui enseignerai comment séduire les filles. Bon. Framboisier, est-ce que tu ne penses pas par hasard qu'il est encore un petit peu jeune? Oh, tu sais, même s'il n'utilise pas son enseignement tout de suite, ce ne sera jamais perdu. Et puis de toute façon, il n'est jamais trop tôt pour apprendre les choses utiles. Bon, alors, on commence quand? Bon, écoute,
Moi, aujourd'hui, je peux pas, mais... Ah non, Minet, c'est toujours pareil. Et puis moi, avec mon emploi du temps, je peux pas non plus. Moi, de toute façon, les copains, je dois prendre le train dans une heure pour Carcassonne, parce que Carmen m'attend. Je vous vois venir, là. Et c'est encore ce bon Rémi à qui on va demander de tout arranger. Eh bien, moi, cette fois, je vous le dis franchement, non, non et non. Voilà. Et alors, et qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, et papa. Ah, bonjour, bonjour Gus. Maman, on fait toujours la tête? Mais, petit Gus, maman est un peu nerveuse. Tu sais, elle a beaucoup de travail avec Vega. Ça n'est pas parce qu'elle a eu un petit mouvement d'humeur qu'elle fait la tête, comme tu dis. Bon, d'accord, papa Eric, mais comment on fait pour l'école? Ah, parce que tu veux retourner à l'école, toi? Après ce qui s'est passé? Ah bah oui, moi j'aime bien l'école, je m'amuse vachement bien là-bas. Et puis, c'est qui m'amène ce matin? Eh ben Gus, tu vois, là, on était justement en train de parler de nos emplois du temps respectifs et apparemment, il semble qu'il y aurait un petit problème ce matin pour t'accompagner, tu vois. C'est pas de la mauvaise volonté de notre part, mais on n'a absolument pas le temps. Ben, j'irai tout seul. Ah, oh, impossible. Si Gueugue apprend qu'on t'a laissé traverser la ville tout seul, alors là, ça va être terrible. Dites, les copains, et si je demandais à Valériane? Oh, mais tu sais, mon Minet, que tu es de plus en plus génial. Ah non, pas tant que Valériane. Elle va encore se mêler de tout. Elle va me choisir mes copains, mes copines. Ah non, non, non. Gus, on ne parle pas comme cela de sa tante, voilà. Même, et surtout si c'est vrai. Ouais, bah alors c'est pas drôle la vie sur Terre, hein. Il y a tout le temps quelqu'un pour vous empêcher de vous amuser. Bon, écoute, Gus, c'est très simple. C'est Tati Valériane ou alors pas d'école du tout. Voilà. Bon, d'accord. C'est d'accord pour Tati Valériane, mais c'est vraiment parce que j'aime bien aller à l'école. Et puis, c'est dommage pour vous. Bah. Qu'est-ce que tu veux dire, mon petit? Bah, pour les jeunes filles étrangères. Des jeunes filles étrangères? Celles qui accompagnent mes copains et mes copines. Il paraît que ces filles-là, on les appelle les filles au père. Et je suis sûre qu'elles vous auraient plu, hein. Filles au père? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Oh. Hey, tous à l'école!